On voulait avoir vraiment la nouvelle technologie et en plus être capable d'avoir la tomosynthèse qui permet d'avoir un meilleur diagnostic pour les patients. En faisant la tomosynthèse, l'avantage, c'est que ça permet de faire des couches plus fines, détaillées des ondes du sang. On se rend compte qu'on trouve des lésions encore plus petites. La qualité est beaucoup plus supérieure que ce qu'on avait avant. Avant ça, il fallait sortir une petite cassette, aller développer ça dans un lecteur. Maintenant, automatiquement, moi, je m'en vais de l'autre côté, mon image s'affiche. Si jamais il y avait des zones qu'il faut reprendre, on les voit tout de suite, fait que on sauve énormément de temps. On avait une capacité d'environ 28 patientes par jour. Maintenant, on est plus dans les eaux de 40 patientes par jour, donc une augmentation significative. Et que je vais faire la compression, c'est sûr que c'est pas agréable. En fait, les appareils, au niveau de la performance, on le voit, là, c'est vraiment parfait pour le confort de la patiente. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix de faire une compression au niveau des seins. Puis ça reste quand même que c'est douloureux, mais c'est un peu moins long qu'auparavant.